Comi était un family boy, un family man. Il était en train de réussir sa reconversion. Il avait gagné cet Oscar à Hollywood pour son film d'animation qui s'appelait Dear Basketball, qu'il avait fait sur son départ à la retraite. C'est un joueur immense, bien sûr, on pourrait en parler. Auteur de 81 points, la marque la plus haute, après celle de Will Chamberlain à 100 points, 5 titres, 3 avec Shaquille O'Neal, 2 avec la bande de Pau Gasol, toujours sous les ordres de Phil Jackson, un monstre de travail, un monstre de dureté envers lui-même, mais aussi envers les autres, et quelqu'un d'une intelligence rare, dont le père avait joué en Europe, en Italie, un petit peu en France, qui avait cette espèce d'amour du monde, des autres sports, qui aux Jeux Olympiques était toujours partant et très heureux de représenter à la fois son pays et le mouvement olympique. Un mec à part, un mec qui s'entraînait à 5h du matin tout seul avant d'aller s'entraîner avec les autres. Un monstre de travail, de précision, d'application.